Hello la team Balance, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti pour une lecture intuitive pour le mois de septembre. Permettez-moi de vous poser cette carte. Donc j'ai brassé les cartes de l'oracle de Caroline Miss et cette carte a fait un énorme plongeon. Ensuite ma vidéo elle s'est stoppée, donc je vais rester avec cette carte. Je ne resélectionne pas une nouvelle. Donc je vais vous lire cette carte, la carte de la déesse. Ça part de lumière, donc ces cartes de Caroline Miss, des cartes des archétypes, on a deux aspects, hein, deux parties, une partie lumière et une partie ombre. La partie lumière d'une déesse, c'est la féminité exprimée à travers la sagesse. C'est la nature, la force de la vie et la sensualité. Sa part d'ombre, exploitation de la nature et du corps de la femme. Donc ici, on va parler de sentiments, je pense. On va parler de sensualité. On va parler de beauté. On va parler d'esthétisme. Et vous aimez beaucoup ça, hein, le signe de la balance. Vous portez une très grande importance à tout ce qui est beau, hein. Vous aimez la beauté, la sensualité, la finesse aussi, on me dit, hein. Vous êtes très fin, vous aimez beaucoup la finesse. Allez, c'est parti, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Je vais choisir 9 cartes et on va regarder pour les balances pour le mois de septembre. Est-ce qu'on va parler d'amour? Est-ce qu'on va parler de sensualité? Et ce sera votre anniversaire aussi pour certains balances. Ah, on peut parler d'hommes ici un peu sensibles. Très attirés aussi par l'esthétisme. Le côté solaire. Ah, je vous avais dit, on a la carte amour ici. Ok, j'intègre celle-ci ici au centre. Juste un petit instant, on va discuter, on va parler d'amour. Oh! C'est très très beau. C'est très très beau. On est un petit peu anxieux quand même avec une situation. Juste un petit instant, on se protège quand même. Les dernières cartes, on a l'ouverture. Bon, c'est l'anniversaire des balances, hein. Fin septembre, on débute l'anniversaire des balances. Compromis. Équilibre. Donc, laissez-moi prendre un peu les énergies de ce tirage et je suis à vous. Bon, là ici, on est sur un tirage très doux. On est dans vos énergies, les balances. On est dans la douceur ici. On est dans la sensualité. On est dans la confiance. On est dans le côté humain, dans l'humanitaire aussi. Je vous sens beaucoup plus ouvert ici, la balance. Vous avez envie de parler d'amour, vous avez envie de vous ouvrir. Très, très beau. Principalement, je dirais, les hommes. Les hommes qui ont envie maintenant d'un compromis ici. Peut-être un compromis avec un enfant ou peut-être votre enfant intérieur. On peut sentir ici, je vais parler des enfants, des hommes et des femmes. D'accord? Nous avons hommes et femmes balance ici. Où vous êtes peut-être, où vous avez été peut-être en désaccord avec votre enfant intérieur. Un travail a été peut-être fait, on vous invite ici à parler avec douceur, sensualité, amour avec votre enfant intérieur. On peut avoir ici certains hommes ou femmes balance qui sont un peu anxieux et que votre enfant intérieur... Votre subconscient veut vous protéger et vous n'osez pas affirmer, parler en toute confiance de votre amour. Vous avez peut-être peur d'une situation. On a un sentiment ici un peu de peur avec la carte enfermement. Sur le plan professionnel, alors là j'étais sur le sentimental... Sur le plan professionnel, on sent beaucoup de finesse, hein, donc pour tous les métiers dans le secteur du droit, finance, notaire, juge, dans l'horlogerie, dans le bâtiment, dans l'immobilier, on sent une belle évolution ici, on sent des partenariats aussi pour certains, on voit que vous travaillez avec beaucoup de passion ici, vous êtes des passionnés dans votre métier, vous en parlez aussi autour de vous, vous êtes
passionné par ce que vous faites. On peut avoir ici une promotion qui sait les quelques mois qui vont suivre le mois de septembre. Vous savez très très bien, j'ai envie de faire un cœur comme ça, c'est rigolo. Vous avez le don de la communication. Vous savez parler avec finesse. Vous savez parler professionnellement. On a entièrement confiance en vous. Hein, donc vous, votre directeur ou votre supérieur va vraiment vous féliciter pour le temps que vous avez pris peut-être pour un dossier. Peut-être vous parler d'une promotion. On verra après, je peux compléter. Vous allez peut-être avoir une ouverture sur un autre poste que celui que vous avez maintenant. Peut-être un poste dans le milieu de la communication. Les secteurs, je les ai dit tout à l'heure, hein, immobilier, mobilier, horlogerie, tout ce qui est esthétique aussi, esthéticienne, coiffeuse, infirmière, ça peut être aussi infirmière, tous les métiers, ouais, ben je le dis quand même, hein, pardon, les métiers dans la prostitution, voilà, parce que j'avais ça ici, donc voilà, on a peut-être un changement ici dans quelques temps, ou escorte, voilà, bon, là je suis allée sur autre chose, ça ne va pas parler à tout le monde, voilà. Ici, on peut avoir, je ne sais pas pourquoi, c'est juste cette carte qui dérange un petit peu, la carte enfermement. Mais comme je la sors à toutes les sauces depuis cette Covid-19, là, on peut sentir, ça vous fragilise quand même un peu pas mal, hein, tout ce qui est enfermement, rester chez soi. On peut avoir ici, dans certains pays, je ne sais pas dans quel pays hein, chacun vous êtes là, mais peut-être une situation de confinement ici, avec peut-être plus tard une opportunité d'ouverture. Mais là, ici, pour vous, c'est difficile parce que vous ne pouvez pas échanger avec vos amis, vous ne pouvez pas communiquer. Voilà, donc on peut sentir ici quelques balances un petit peu anxieux. Voilà. En tout cas, ce que je ressens le plus ici, c'est l'amour de soi. D'accord? On dirait que vous allez parler avec beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de sensibilité. Vous allez peut-être dévoiler à certains de vos amis. Ou peut-être leur faire des preuves de confiance ou d'amitié ou voilà, je sais pas, c'est trop beau parce qu'on dirait que on aime parler avec vous, on aime être en votre présence ici, on aime discuter avec vous, on aime échanger avec vous. Ou vous aimez accompagner, aider peut-être des personnes qui sont en difficulté ici. Pour les femmes, Balance. Vous travaillez beaucoup sur votre esthétique, votre beauté, vous exprimez beaucoup votre sagesse, votre féminité ici, au courant du mois de septembre. Ici, on peut avoir un homme qui n'écoute pas forcément ce qu'on lui dit. Avec le port du masque, ici, on regarde vers un compromis, mais on porte le masque ici. On ne voudrait peut-être pas écouter attentivement ici. On a peut-être des mots bienveillants ou on va peut-être vous communiquer en septembre peut-être une demande ici. Je ne sais pas, il y a quelque chose au niveau sentimental de très très beau et très très pur hein, ici. D'accord, vous allez vraiment vous exprimer, je pense, ici avec la carte parole. Ça vous fait peut-être un peu peur pour certains. On a la carte de l'angoisse. Est-ce que ça peut aussi vouloir indiquer un travail sur le chakra du cœur, peut-être, hein? Un soin énergétique ici au niveau du chakra du cœur. Chakra du cœur et chakra de la gorge ici pourrait vous aider peut-être à vous exprimer beaucoup plus. Plus calmement, plus sereinement. En tout cas, c'est un mois très doux. C'est ce que je ressens ici, dans ce tirage. On va regarder
le petit oracle de l'intuition. C'est parti. Le voyage. Ah, vous allez peut-être parler d'un voyage ou d'un déplacement. Échec sentimental. Voilà, donc là, c'est à cause du confinement. Là, il y a quelque chose. Santé, enfermement. Je ne sais pas quelle est votre position ici par rapport à la Covid-19, par rapport au vaccin ou pas. Ça pourrait. Alors ici, ça indique très clairement qu'on a peut-être certains ou certaines balances là, ici, qui n'ont vraiment pas du tout envie de se faire vacciner et que du coup, ben, on reste à la maison, on se protège. Tout ça, peut-être, vous affecte aussi beaucoup sur le plan émotionnel. Et vous pourrez peut-être, certains d'entre vous, rencontrer des obstacles. Ici, on peut rencontrer un peu des obstacles ici. Attention, je pense que là, on est sur un autre, une autre énergie ici avec le petit oracle de l'intuition. D'habitude, il vient m'apporter une petite douceur et puis là, il vient rendre la situation un peu plus difficile. Là, on sent des balances qui se protègent un petit peu au niveau de la communication sanitaire. Là, ça commence vraiment à vous agacer, enfin comme tout le monde, hein, vous allez me dire. Mais là, on sent que ça pourrait éventuellement créer quelques obstacles. Si vous prévoyez de voyager, vous avez déjà tout prévu. Vous allez peut-être parler de voyage ou de déplacement. Et puis, vous allez peut-être rencontrer des obstacles, voire un voyage peut-être annulé ici avec la personne que vous aimez au courant du mois de septembre, un déplacement qui sera peut-être annulé. Ici, on peut ressentir, je ne sais pas, on va peut-être voir avec le 77, mais là, on a un échec, un obstacle ici pour certains sur le plan sentimental. D'accord? Et ouais, amour, échec, obstacle, ouverture. C'est très compliqué à comprendre, mais moi j'ai compris. Je ne sais pas si vous comprenez les balances. Hein, quand ça balance comme ça, pour vous, c'est clair. Pour les gens qui vous suivent, c'est peut-être pas clair. On peut sentir que vous êtes ouvert à la communication. Et puis tout d'un coup, vous venez rapporter un obstacle ici. On a envie d'apporter une relation. On a envie d'une relation saine et puis il y a une problématique qui arrive. Comme si vous cherchez votre équilibre, hein. Je me répète peut-être sur d'autres tirages. Je ressens de l'amour ici, dans ce tirage, mais avec des complications. Ça vous parle? On ressent ici l'envie de discuter, l'envie de parler, l'envie de transmettre de l'amour, l'envie de parler d'amour, mais on rencontre des difficultés. On a des difficultés à s'exprimer peut-être. Ou vous n'arrivez pas tout simplement à vous exprimer. Donc si ça résonne en vous ce que je suis en train de vous dire là, si vous sentez qu'il y a un blocage au niveau de la communication, que vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments, il y a quelque chose qui bloque, obstacle. N'hésitez pas à faire un soin énergétique sur les deux chakras que je vous ai dit. Le chakra, trois chakras, pardon. Le chakra racine, hein, pour les doutes. Pour les doutes. Le chakra racine, le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Voilà, parce qu'on vous sent ici avec une fragilité au niveau de la communication. Alors, ça peut être vous, ça peut être aussi votre conjoint. Qui lui ou elle a de la difficulté à s'exprimer ou à communiquer ses émotions, ses sentiments, le fait peut-être avec très 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 peu de finesse, ici, voilà, par d'ombre. On peut avoir ici votre conjoint ou votre conjointe qui a de la difficulté à exprimer ses sentiments, ici. Ce qui fait qu'au niveau relationnel, on est dans une situation
un peu difficile pour certains balances. D'accord? Pour certains balances. Pour d'autres, pour les célibataires, bon, on a une belle rencontre. Pour les hommes célibataires, on a des très très belles rencontres. On nous parle d'abondance aussi pour les balances. Quand je parle de rencontres, ça va être purement social, hein. Voilà, donc vous aimez être entouré, ça vous adorez ça, hein, les discussions échangées, des séminaires ou des... Voilà. Et là, ça vous convient très très bien. On va prendre maintenant l'ancien 77 d'Aliaske, le 77 pour les Suisses. On m'a fait des fois la remarque. C'est parti. Ouais, on a cet automne. Ah, il y a peut-être un voyage cet automne de prévu. Ça tourne un petit peu en rond, c'est un petit peu cette situation, on ne sait plus comment faire pour voyager. Voilà, vous regardez un petit peu des opportunités, mais ça va peut-être pas dos de deck un projet, ouais, un projet sentimental. Alors ici, la team Balance, on voit que vous avez envie peut-être de partir en vacances, de partir en voyage au mois de septembre. Au vu des cartes, on peut rencontrer quelques complications. Faudrait voir en septembre. Hein, là, je fais ce tirage avec un peu d'avance. Ça nous indique que bon, la situation sanitaire crée des difficultés. On tourne un peu en rond. C'est un petit peu difficile de partir en vacances alors que vous aviez vraiment prévu ce voyage. Vous aviez prévu d'aller rejoindre quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Et vous avez peut-être un projet. On peut avoir ici une complication au niveau du voyage. Sur le plan professionnel, j'ai eu très 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 peu d'informations. Pour moi, c'est que ça va plutôt bien. On peut, pour certains, travailler à domicile. Hein. J'ai quelque chose ici, un travail à domicile. On peut avoir, pour celles qui travaillent dans le milieu de la santé, beaucoup de sensibilité ici, un petit peu d'anxiété ici. Voilà la team Balance. Ce que je peux dire pour vous pour le mois de septembre. Je vais tirer une carte. J'ai envie là maintenant sur la loi de l'attraction. Parce que j'ai vu la carte de l'abondance ici. Je vais juste prendre une carte pour vous en plus parce que j'en ressens le besoin. J'ai pas tellement parlé de finances. Chiffre numéro 60, 75, 50, 42. Alors, l'histoire que je raconte est le fondement de ma vie. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de raconter la version améliorée de votre histoire. Elle peut toucher votre passé, votre présent ou votre avenir. Le seul critère qui compte, c'est que vous soyez conscient de votre intention de narrer une version améliorée et plus agréable de votre histoire. Le fait de raconter de nombreuses petites histoires agréables durant la journée modifiera votre point d'attraction. Rappelez-vous simplement que l'histoire que vous racontez constitue le fondement de votre vie. Alors, racontez-la comme vous le voulez qu'elle soit. On parle ici avec la parole, comme si on a besoin ici effectivement de communiquer. Je ressens ici de communiquer ce que vous ressentez. Ça va apporter un équilibre chez vous. Voilà, premièrement. Deuxièmement, je ressens aussi pour certains balances,
l'envie de communiquer avec son enfant intérieur. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis obligée de le répéter parce que ça me revient encore une fois. D'accord? N'hésitez pas à faire des méditations sur l'enfant intérieur ou de prendre contact avec une psychologue ou une coach pour faire des séances sur l'enfant intérieur. Là, je le ressens très fort. Voilà, on va prendre une petite carte des anges gardiens. J'espère que ce tirage... Oups là. Bon, elle a tombé, mais je ne la prends pas. Parce qu'elle n'est pas tombée sur... Elle voulait tomber, mais elle n'est pas tombée. C'est la carte. Allez, c'est parti. Une carte pour les balances. C'est chaud. 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Ah, alors ici, on nous dit que voyager peut s'avérer nécessaire. Ici, dans mon tirage, voyager ici peut-être... Alors oui, voyager peut être nécessaire parce que on ressent ici un besoin au vu de l'anxiété. Maintenant, ça dépend quelle destination à vous de voir au courant du mois de septembre, dans quelle destination vous aimeriez partir. Voilà la team Balance. J'espère que ce tirage résonne en vous. J'ai eu plusieurs informations. Ça va parler à des centaines de personnes différentes. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. J'aime beaucoup vos petits messages, vos WhatsApp, vos emails. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, vous pouvez regarder ici. Il y a des petites images qui s'affichent. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton réservé et c'est avec un grand plaisir que je vous guiderai et que je vous accompagnerai. Voilà la team Balance, je vous souhaite un super bon mois de septembre. Prenez soin de vous. À très bientôt. Tchuss.